Dixième position. Swift. Swift a été créé en 2014 par Apple comme un langage maison pour les applications iOS. Il a beaucoup de potentiel et est l'un des langages les plus prometteurs car il est très rapide. Neuvième position. R. R est un langage développé en 1993 et utilisé principalement pour les statistiques et les graphiques. Aujourd'hui, il est encore utilisé pour l'analyse des données et le machine learning. R est utilisé par de grandes entreprises comme SAA et Oracle. Huitième position. C. C a été développé en 1992 pour le système d'exploitation Unix. Il est encore utilisé sur beaucoup de projets. C'est l'un des langages de programmation les plus stables et il fonctionnera sur presque toutes les plateformes connues. Septième position. JavaScript. JavaScript est principalement utilisé pour des applications web. Il est considéré comme une modification de Java. Mais il n'y a pas beaucoup de similitudes entre JavaScript et Java. En utilisant JavaScript, vous pouvez ajouter des pop-up, des petits jeux et des effets intéressants à votre plateforme. Sixième position. PHP. PHP a été développé en 1994 et certaines estimations montrent qu'il gère un tiers de tout ce qui se passe sur le web. PHP est utilisé pour prendre en charge les pages web développées en HTML et est un langage de script plus que tout. Facebook, Yahoo, WordPress sont développés en PHP. Cinquième position. SQL. Même si les langages peuvent changer au fur que le temps passe, tous les programmeurs et les langages s'appuient sur les technologies SQL et les technologies de base de données. C'est pourquoi SQL sera toujours utilisé et il vous proposera des opportunités d'emploi intéressantes. Quatrième position. Le C++. Le C++ est un langage de programmation créé en 1983 pour remplacer C. Il a profité d'une popularité quasi instantanée. Son principal avantage est que vous obtenez un ensemble de classes prédéfinies qui peuvent être combinées avec des classiques personnalisées. En ce moment, C++ est utilisé pour Microsoft Windows et Google Chrome. De plus, Adobe et Amazon sont également connus pour utiliser C++ sur leurs sites web et leurs applications. Troisième position. Le langage Java. Java, initialement développé par Oracle en 1991, il a subi beaucoup de changements au fil des années, mais a toujours réussi à rester l'un des langages de programmation les plus populaires. Une partie de son énorme succès est que c'est le langage go-to lorsqu'il s'agit de création d'applications pour Android. Étant si populaire, Java est utilisé par des géants comme Amazon, eBay et SAP pour leurs sites web et presque toutes les applications. Deuxième position. Python. Python a été créé en 1989 et depuis, il a connu de rester l'un des meilleurs langages jamais créés. La raison pour laquelle il est si populaire semble être son code lisible avec la gamme de fonctionnalités qu'il offre. Cette clarté du code semble également être la raison pour laquelle de nombreux débutants commencent avec Python. Croyez-le ou non, ce langage n'a absolument rien à voir avec les serpents. Et il tire plutôt son nom des Monty Python. Il est utilisé dans de nombreuses applications et programmes comme YouTube et Instagram. Tandis que la NASA l'utilise pour leur site web. Première position. C Sharp. Il s'agit d'une variante du langage C créé par Microsoft dans les années 2000, avec certaines fonctions qui ressemblent à Java ou langage de programmation en C. C Sharp était d'abord destiné à une grande variété de programmes exécutés sur le framework .NET. Et aujourd'hui, C Sharp est utilisé dans les applications écrites par Microsoft Windows, Windows Phone ou Bing.